pour toi, t'es pas capable, t'es arabe, t'es noir. Oui, je n'ai pas peur des mots. Noir, arabe, réunionnais, allemand comme mon mari. Pourquoi pas? Mais sous la bannière commune, la France. Moi, j'aime la France. Et quand je dis ça, je ne veux surtout pas, qu'on imagine une seconde que ceux qui disent j'aime la France appartiennent à un parti particulier. C'est pour tout le monde, la droite, la gauche, les uns, les autres, les noirs, les arabes, les mélangés comme moi, métis comme moi, musulmans comme mon frère Mahmoud qui va toujours à la mosquée le vendredi matin, qui ne mange pas de porc, mes neveux ne mangent pas de porc. Mais j'ai un frère qui a une fille, Nathalie, dans un couvent à Marseille. Donc il y a des chrétiens, des musulmans, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Et ensemble, lorsqu'on se retrouve sous le manguier ou le pied de papaye, je vous jure qu'on ne parle pas d'Allah, on ne parle pas de Jésus-Christ. On parle de nos enfants, on parle des problèmes de boulot, on parle des problèmes de logement. Pas trop de racisme chez nous, parce que comme on est tous dans nos familles, il y a des noirs et des plus ou moins marrons, qui va critiquer? Je suis auteur de romans, récits, poésie. Je suis très heureuse d'être de nouveau avec vous à cette belle fête du livre de Toulon. Et j'invite tous les lecteurs, y compris mes lecteurs, à venir me rencontrer pour partager, échanger et puis pour vous confier que j'ai terminé l'écriture d'un nouveau livre qui n'était pas prêt pour la fête de Toulon de cette année, mais il sera prêt l'année prochaine. C'est un livre sur la guerre de 14-18. C'est une très belle histoire humaine et profonde et je vous donne rendez-vous